Ces signatures apposées entérinent la lettre d'accord entre le ministère de la formation professionnelle et le programme des Nations Unies pour le développement. D'un montant global d'1,3 milliard de francs CFA, cette enveloppe servira à renforcer les capacités techniques et financières des 500 groupes producteurs et professionnels afin de leur permettre de développer les activités économiques et d'améliorer leurs conditions de vie. Le représentant résident du PNUD au Tchad, Camille Kamloden, qui réitère l'engagement de son organisation à accompagner ce projet, rappelle la nature de ce financement qui n'est ni un don, mais plutôt un prêt et donc remboursable. La chef du département en charge de la formation professionnelle invite les autres partenaires au développement à emboîter le pas au PNUD. La signature de cet accord, fruit de longues négociations entre le gouvernement du Tchad à travers le comité de pilotage du pacte FIT et la banque, vient couronner les efforts réciproques de développement endogène tant souhaités par les hautes autorités du pays et les partenaires au développement. Financé par la Banque africaine de développement à travers le comité de pilotage PADELFIL, la province pilote de ce projet est la Tangili. 15 000 ménages répartis dans 42 cantons seront formés et bénéficieront également des microcrédits.